Mon fils, oui père. Tu veux que je te raconte une histoire avant de dormir? Oh chouette, oui, qu'est-ce que ça tienne. Il était une fois, dans une maison calme et silencieuse, un papa et une maman qui décidèrent sur un coup de tête d'adopter un enfant. Que ne fut pas leur surprise quand ils apprirent que cet enfant était en réalité une bonne petite merde chiée par le monde sans aucune utilité. Et cet enfant, c'est toi. Ah, voilà, la fin était légèrement bâclée, exactement comme toi. Yes, I. Passe une bonne nuit, tu n'es pas voulu. Personne ne bouge ou je bute ce paquet de chips. Vous voulez quoi? Des chips. Non, vous êtes complètement con. Et oh, mollet, mollet, toi, hein. Je voulais dire mollo. Mollo, ouais. Et oh, t'arrêtes-toi, hein. Oh, tu mets la raptale, tu vois. Eh, les enfants, vous savez quel super-héros donne le plus vite l'heure? Vous savez ou pas? Ah, franchement, moi, je sais pas du tout, hein. Je sais pas, hein. Aucune idée, wesh. Spider-Man. Spider-Man. Pourquoi t'es gênante, madame? Aujourd'hui, dans cette vidéo, je voulais vous remercier pour les 10 millions d'abonnés. Mais t'as pas 10 millions d'abonnés. Et tu arrêtes-toi, là. Pourquoi tu mens comme ça, là? Je vais te casser un de... Dis, mon fils. Oui, père. Joue au Scrabble. Oh, tant bien que j'installe le plateau. Oh bah, hey, j'ai déjà un mot. Qu'est-ce donc? Tu es adopté. Je tombe des nues. T'as même temps que tu l'as cherché, petit con. Mais du coup, oui. T'es plutôt Netflix ou Disney Plus? Oh, Netflix. Oh, perso Disney Plus. On s'en branle un peu, non? Oui, un peu, oui. Oui, allô? Allô, bonjour, c'est Timothée de la société. J'en ai rien à foutre. J'en prends très bonne note, monsieur. Passez une très bonne semaine. Pareillement, monsieur. Et voilà, Timothée vient de perdre son 18e client de la journée. Il sera renvoyé le soir même et sera sans emploi pendant 5 ans. On a reçu ta lettre pour Poudlard ce matin. Pardon? On a reçu ton bulletin de notes ce matin. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Pourquoi t'es raté? Je fais pas exprès. It's not racist. Yes, it is. If you as a black man write the N-word in a text message to me, and in my head I read that word, that's not racist. Yes, it is. Contre tout ton poids sur ton harnais. Si tu le fais calmement, tu vas y arriver. Même moi, j'ai réussi, preuve que c'est faisable. Bon, d'accord. Cette fois, je sens que ça va être la bonne. Allons-y, Hermine, soulève-moi. Allons-y, Hermine, soulève-moi. Allons-y, Hermine, soulève-moi. Chérie, t'aurais pas eu mon téléphone? Nope. Tu peux m'appeler, s'il te plaît? Dis Siri, appelle chérie. Laquelle chacal? Tu en as au moins 5. Laurie? Vous allez où? Je vais à Paris. Moi aussi. Oh, ne me dites pas que c'est pas vrai! Barnabé va encore devoir rentrer chez lui à pied. C'est à 60 km d'ici. Ça fait loin! Service client, bonjour. Quentin, à votre écoute, que puis-je faire? Oui, bonjour monsieur, je vous appelle car j'ai un problème avec ma box, j'ai plus internet depuis ce matin. D'accord monsieur, donc si j'ai bien compris, vous avez un problème avec votre box et vous n'avez plus internet depuis ce matin. C'est bien ça? Oui. D'accord monsieur, j'écris votre dossier et je vous transfère vers le département adéquat. Ne quittez pas. D'accord, merci. Service client, département box et internet, Boris à votre écoute, merci d'avoir patienté. Encore vous là. Alors monsieur, je vois dans votre dossier que vous avez... Vous m'entendez? Oui, je vois que vous avez un problème de connexion. Internet, c'est bien ça? Oui, c'est ça, oui. Alors de quelle couleur sont les voyants sur votre box? Alors là, ils sont tous rouges. Ils clignotent? Non. Ne clignote pas. Très bien, monsieur, ne quittez pas, je vous transfère vers le département des... Non, mais... Service client, département des voyants rouges qui ne clignotent pas, Sébastien à votre écoute. Oui, bonjour, j'ai un problème avec ma box, j'ai plus internet et les voyants sont rouges et ils ne clignotent d'accord, pas. D'accord, monsieur, dans ce cas, je vais vous demander de débrancher votre box. Ok, attendez. Ok. De la rebrancher. C'est bon. Alors de quelle couleur sont les voyants maintenant, monsieur? Là, elle se rallume plus du tout, là. Allume plus. D'accord, monsieur, ne quittez pas, je vous transfère vers le département adéquat. Non mais putain, on... Service client, département des boxings se rallume plus, Sylvain, à votre écoute. Nique ta mère, Sylvain. Faudrait qu'on leur dise qu'on sait pas quoi faire quand ils sont... Alors, les livreurs qui disent: je passerai livrer votre colis entre 8h et 18h30. Oh... Mais putain! Mais c'est quoi ça? Est-ce que moi je dis oui, j'habite entre Perpignan et Lille? Non! Bon, les enfants, pour vous, c'est quoi un bon prof? Moi, je sais, madame, un bon prof, c'est un prof absent. Bouh! Allez, qu'est-ce que t'attends pour ton arrêt maladie maintenant? Qui es-tu? Je suis toi. Dans 10 ans, cela fait sens. Pas vraiment. Est-ce que dans 10 ans, je suis riche? Non. Beau? Non. Fort? Non. The Rock? Non. Capable de pratiquer le backflip? Non. En couple avec Selena Gomez? Oui. C'est vrai? Non. Cela est décevant. Comme toute ta vie. Merde, je vois les gens chez eux. Y'a un mec à poil. Range ta dite. C'est dégueulasse.
que ça, c'est un bruit énervant? Oui. Ok, répète après moi. Ok. Il faut réviser. Réviser. Il faut réviser. Une petite bière? Donc tu fais du rap toi? Oui. Tu veux écouter un morceau? Allez, vas-y. Tu me dis si t'aimes bien. C'est là que j'ai compris que mon ami était dénué de talent, et de charisme, et d'ambition. Il me fallait lui dire la vérité pour lui éviter la douleur et les blessures du futur. Alors, tu aimes bien? Ah, c'est super, oui. J'ai pas de couilles. Où est mon daron? Où est son daron? Je cherche mon daron. Il cherche son daron. Je trouve mon daron. Il a trouvé son daron. Je vise la tête. Charge mon daron. Non, pas du tout. Et je tue mon daron. Does Samuel L. Jackson like anime? Yes, I do. Hentai too. Si mon fils. Oui, père. Il fait chaud là, non? Ah, mais de ouf, quoi. Heureusement qu'il y a Roberto. Roberto? Mais oui, Roberto. C'est un ventilateur. Et c'est un déconneur en plus. Allez, Roberto, raconte-nous une blague. Non, une autre. Mais tu me l'as déjà faite, celle-là. Tu es un sacré déconneur, Roberto. Ouais, il faut là. Hé, Robert, hier j'ai vu Schloren. Cool. Et tu me demandes pas c'est qui Schloren? Qui Schloren? La blague. Ah, c'est pas grave. Michel, on pourrait créer pour les humains un pain avec du chocolat dedans. On appellerait ça un pain au chocolat. José, tu tiens un truc là. Mais moi, j'appellerais pas ça un pain au chocolat. J'appellerais ça une chocolatine, tiens. Bah non, Michel, ça a pas de sens. C'est du comme du pain avec du chocolat dedans. Écoute, ce qu'on va faire, José, c'est qu'on va laisser les deux, pain au chocolat et chocolatine. Comme ça, ils vont s'embrouiller à mort, les humains. Alors les loupards, c'est quoi vos bonnes résolutions pour 2020 à vous, Steven, dis-moi? Moi, ma bonne résolution, c'est votre démission. Dans cet hypermarché, les clients sont toujours au rendez-vous, mais au rayon des fruits et légumes, certains préfèrent prendre leurs précautions. Avant, je les lave que avec de l'eau. Maintenant, c'est au Javel aussi. No, no, don't touch me there. This is my no-no square. No, no, don't touch me there. No, no, my... Enfants, c'est l'heure du goût. Oui, le goûter, le goûter. Eh ben non, c'est l'heure du goulag. Ah! C'est qui Jennifer? Et Stéphanie? Et Patrick? Et t'envoies des sacrées photos, dis donc. Toi aussi, apparemment? Non. Non, mais non. Tu vas mourir. Mais pas très envie. Ce personnage est très très homophobe. Non, mais c'est une blague, hein, Zeba, faut pas, hein. Il ne représente pas du tout la communauté homosexuelle. Non, oui, mais c'est une blague. Un sketch. Je vais faire tourner une pétition pour faire un... C'est une blague, putain. Un sketch. Qu'est-ce que tu... Roses are red, violets are blue. Planes can fly fast, but I can fly faster when I kill your family in this F-22 Raptor. Mon fils. Oui, père. J'ai appris que tu avais une copine. Oh, ça fait quelques jours, oui. Et ça se passe bien? Ah, merveille. Ah, bah justement, c'est elle qui appelle. Bon, bah, je me permets de répondre, hein. Faut que je parle à ma belle-fille. Alors, non, faut pas faire ça. Oui. Oui, allô? C'est bon, papa. Dis-moi, tu fais quoi avec cette merde là? Alors, ça, mon parcours. Oh, bah, mais je dis ça pour ton bien, hein, parce que disons que mon fils, on l'a bercé un peu trop près du mur. Tu peux arrêter. Allez, bisous, hein. Ouais, tu me remercieras plus tard. Mais qu'est-ce qu'elle t'a dit? Disons que t'es célibataire maintenant. Ah, mais c'est pas cool, ça. Exactement comme t'as venu au monde. Je te quitte là. Mais pourquoi? Tu n'es pas assez beau pour moi. Ah, zut alors. Elle ne sait pas ce qu'elle aura. Après mon glow-up, elle va s'en mordre les doigts. Et là, je suis toujours moche, en fait. Welcome to Earth 2.0. A clean slate. We can do whatever we want. We are the future. I'm gonna make peeing illegal. Eh, Béranger, ça te dit un pierre-feu-ciseau? Pourquoi pas. Ok. 1, 2, 3, pierre-feu... Hop! Tu l'avais pas vu venir, celle-là, Béranger? Oh, Béranger, t'es vraiment trop marrant. Un vrai humoriste. Gad Elmaleh en sueur. Les enfants, je vais ramasser vos devoirs d'art plastique. Steven, ton devoir, s'il te plaît. Tenez, madame. Merci, Steven. Oh, mais c'est très joli ce que tu as fait. Il est magnifique, ce petit chien, là. Ah non, madame, c'est pas un chien, c'est vous. Tu es adopté. C'est pas très courtois, ça. Did you know that atoms never touch each other? And since we're made of atoms, we've never touched anything in our entire lives. So to answer your question, officer, no, I did not punch that kid. Bonjour.
voici à présent trois techniques pour contrer une attaque verbale d'un ennemi. Technique numéro 1. Et toi là? Oui. Tu es pas beau. Oui. Bah, toi-même. C'est super efficace. Technique numéro 2. Et toi là? Oui. Moi j'ai l'iPhone 11 alors que pas toi. Tu arrêtes toi hein. Efficacité maximale. D'où lui vient sa puissance? Voilà. Si vous voulez connaître la technique numéro 3, likez ce post. Y'a pas technique numéro 3, c'est ça? T'arrêtes de cacher mes vidéos tout le temps là. God damn it, Juicy, get down from there, the meme is dead! No, no, don't touch me there, this is my no-no square. What are you doing here, Molly? Get down, right now! The meme never dies, Molly. The meme dies with me. No, no, don't touch me there, this is my no-no square! Star Wars! Twilight! Die Star Wars! Star Wars! And what's your talent, young man? I can do a high pitch like Ariana Grande. Let's hear it. All right. Vous êtes viré. Non, vous êtes viré. Non, vous êtes viré. Non, vous êtes viré. Mais pourquoi? Ah bah ça, je sais pas. Vous êtes le patron, c'est à vous de vous poser la question. Dis mon fils. Oui, père. Tu te rappelles de ton petit frère? Salut mon pote. Comment l'oublier? Se lève et contrairement à toi, il est intéressant. Mais là n'est pas la question. Et elle est où? Dans le placard. T'arrêtes tout de suite, commence pas à faire tes blagues. Oui d'accord. J'ai pas le temps pour tes conneries. Et du coup quel rapport avec mon petit frère? Oh, pas grand chose, je voulais juste te rappeler à quel point il est bien mieux que toi. Regarde papa, j'ai fait un dessin. C'est bien mon fils, t'es le meilleur. La feuille est vide. Exactement comme ton cerveau. Merci papa. Excusez-moi, bonjour. Toutes les tailles sont au rayon pour les t-shirts ou pas? Pourquoi tu me parles? Oh pardon, vous travaillez pas ici? Si je travaille ici, mais tu vas pas s'occuper là? Je suis en train de plier un jean. Oui je vois mais... Eh bah si tu vois, pourquoi tu parles avec moi? Parce qu'en fait je cherche une taille et je... Eh bah tu me casses pas les couilles et tu continues de chercher, wesh, on dirait le magasin il fait 2000 mètres carrés, t'es chelou, toi tu vois pas, je suis en train de travailler là? Mais votre travail c'est pas de me renseigner normalement. Mais ok, c'est pas votre travail, de la vie. Tu peux pas parler comme ça? Bah vas-y, tu me saoules, il faut quoi comme taille? XL s'il vous plaît. Tiens, t'as bien. Merci. Est-ce que vous pouvez me dire où sont les cabines pour essayer? Oh mais c'est marqué là, putain! Vous êtes comme ça? Je suis désolé, on est obligé. Comment ça? C'est marqué dans notre contrat, on doit faire genre vous nous dérangez quand vous venez nous parler. Ah, c'est pour ça. Sinon, on n'a pas nos tickets resto. Mais non. Si je dis bonjour, ils prennent ma mère en otage. Oh, dinguerie. Voilà, dinguerie. Eh, fais-moi juste un sourire. Mm-mm. S'il te plaît. Je peux pas. S'il te plaît, nous observe. S'il te plaît. Jérémy, t'es viré. Mais voilà, vas-y, tu t'avais. Ah oui, c'est rapide. Tu savais, j'aurais pas dû t'écouter. Alors, Michel, là, on a bientôt fini de créer l'humanité, mais il manque quelque chose pour les jeunes. Ah ouais, t'as raison, José, on n'a pas pensé aux jeunes. Attends, j'ai viens d'avoir une idée, là. Je me verrais bien inventer un endroit où ils sont obligés d'aller depuis qu'ils sont tout petits jusqu'à ce qu'ils soient un peu adultes. Un endroit où ils s'emmerdent à mort et ils apprennent des trucs qu'ils s'en foutent complètement. Oh mais oui, Michel, c'est une bonne idée, ça. On va appeler ça l'école. On va appeler ça l'école, ils vont bien s'ennuyer. Coucou les filles, petit tuto pour apprendre à avorter. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve très... Dis mon fils. Oui père. Jouons à Action Vérité. Car cela ne tient. Action Vérité. Vérité. Tu es adopté. Non. Tu es adopté. Comment le sais-tu? Suis ton père. Pas. Non. Tu es adopté. Le mot pute en espagnol, puta en indonésien, mangarutu en féministe, non mais c'est hyper sexiste, en langue des signes, en gay, pute, en criant, pute, en criant multiplié par 50. Pute. Hey Robert. Oui mon petit Steven. Dis-moi, on dit bien que l'amour rend aveugle. Oui tu peux le dire mon petit Steven. Alors ça doit être pour ça qu'elle m'a lâché un vu. Ho ho ho. Mais non Steven, ça c'est parce que t'es moche. C'était une blague Robert. Ah autant pour moi. Eh oui Steven, Robert a beau être un homme parfait, il comprend pas toujours l'humour. Mais tu peux pas lui en vouloir, regarde son visage parfait. C'est vrai qu'il est très beau. Mon fils. Mais qu'est-ce que... Bon du coup j'y vais papa, bonne continuation. Mais où est-ce que tu... Il est parti sur que je ne sais plus pour jour de ma vie. Est-ce que c'est un rêve? Réveille-toi. Ça va, papa? Oh, bordel, t'es toujours là. Où tu veux que je sois? Merde, c'était qu'un rêve. Fais chier. Tu es triste, papa? Tais-toi, bordel. Je vais jamais me lâcher, celui-là. Comment mon fils entre nous? Est-ce que tu bois de l'alcool? Non. Eh, bah, m'arrête-t-il pas. Tu peux me le dire. Je bois un petit peu. Voilà. Tu vois comment c'est bien quand on se confie entre nous? Moi, je coupe cette merde. Qu'est-ce que tu fais? Va t'aider trop, ça. C'est le diable dans ce corps. Mon fils est un bonjour. Bonjour et bienvenue dans cette nouvel épisode de Next. Aujourd'hui dans cet épisode, trois candidats vont tenter de pécho l'élu de leur cul. Alors commençons tout de suite avec notre premier candidat. 24 ans, il a déjà pété une dizaine de fois d'affilée pendant un combat avec Kara. Il s'est déjà mis un pot ketchup dans le cul et il adore les bonbons à la menthe. Et continuons avec notre deuxième candidat, Link, 34 ans, il adore rentrer chez les gens par effraction. Les poules sont ses meilleurs amis, il adore se mettre des flûtes de porc dans le cul. Eh, je suis pas venu ici pour souffrir. Et finissons-en avec notre dernier candidat, Mario, 26 ans, il adore martyriser son frère en rentrant du boulot, il a déjà eu des problèmes d'érection avec Peach et il aime bien quand on lui caresse les fesses.
Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui c'est Pollock et je voulais vous annoncer que j'ai trouvé le plus grand secret de McFly et Carly Du. Cela fait à peu près plus de 5 minutes que je recherche cette théorie et après avoir longuement réfléchi, je pense que maintenant, tout est clair. N'avez-vous pas remarqué que McFly et Carly Du ressemblent étrangement à deux autres personnages ? Regardez bien. Vous l'avez deviné, je parle bien évidemment de Sense et de Papyrus dans Undertale. Cela veut dire qu'en fait, et bah bande de gros fils de pute, qu'ils viennent d'un univers parallèle où en fait c'est Sense et Papyrus, et dans leur univers ils ont plus d'argent, du coup ils sont venus sur YouTube pour faire de la thune là chez moi. J'ai raison, putain. Ah, tu vas faire un gâteau pour l'anniversaire des 50 de tes enfants. Ah, 52 ans, bah c'est pas grave, c'est bien de se faire plaisir. 520, faut peut-être pas se foutre. Si mon fils, non. Nique ta mère, j'en ai pas. Ah oui, bon, il m'a dit non. Et José, pour la création de l'école, là, au fait, là, ils vont manger où, ces jeunes, là? Ah ouais, c'est pas bête, ça. Eh ben écoute, on va créer un endroit où ils vont manger tous les midis. On va appeler ça le self, ou la cantine. Mais oui, et comme on est des vicieux, on va faire en sorte que ça soit dégueulasse. C'est lui qui m'a traité de pute. Qui ça? T'es une pute, il a raison. Il faut qu'on parle. Non, je te quitte. Pas conscient d'avoir dit oui. Eh, hey, ça y est, on peut ressortir, le confinement est terminé. C'est vrai? Non. Yes. Dis mon fils. Oui père. Regardons un vidéogramme. Qu'as-tu à me proposer? Alors du coup j'ai déception, la planète de la honte ou la plus grosse erreur de toute ma vie. Tu choisis quoi? Tu essayes de me dire quelque chose. Que tu es perspicace. Du coup oui, mais moi je voulais regarder tout autre chose. Quoi donc mon fils? Ça s'appelle Je préfère maman. Pas très sympa. Tu l'as bien cherché. Que tu savais qu'en France, si tu rates 5 fois de suite le permis, tu dois repasser le code? Et en Suisse, c'est pire, si tu le rates 3 fois, tu dois aller voir un psy. Un psy? T'imagines l'ambiance de la séance? Bah alors monsieur, pourquoi vous êtes nul? Okay, please let me know if I'm the only one that whenever I walk into my house and I realize that nobody is home, I feel the sudden urge to yell. Dis mon fils. Oui père. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. En effet oui. Qu'est-ce que tu racontes de beau? Eh bah tu vois, rien que la semaine dernière j'ai... Attends. Quoi donc? J'ai me rappelé pourquoi je suis parti. Et pourquoi? Quand tu parles c'est chiant. L'ennui total. Ah oui. Bon bah j'y retourne hein. Mais tu viens juste d'arriver. Ouais. Bah c'est déjà trop. Allez je me casse. Eh bah tant pis pour toi, t'auras pas de pizza ce soir. Et allez, boum dans ta face. Mais qu'est-ce que tu nous prépares de bon? Un petit plat aussi généreux et bon que toi. Oh, ça me met l'eau à la bouche. C'est donc un message codé. Bien joué, Sherlock. Ah bah c'est pas grave. Hey Robert. Oui mon petit Stanley. Eh bien, j'ai vu que t'avais créé une association pour les pingouins en Antarctique. Eh oui, c'est vrai mon petit Stanley. Mais il y a un truc que j'ai pas très bien compris. Eh bien dis-moi mon petit Stanley. Pourquoi tu fabriques des piscines pour les pingouins en Antarctique? Eh bien mon petit Stanley, c'est pour qu'ils puissent se baigner. Mais Robert, t'es au courant qu'il y a la mer en Antarctique? Oui. Et alors? Bah si les pingouins veulent se baigner, ils vont dans la mer. Ah, autant pour moi. Ah ouais, on m'avait dit que t'étais débile, mais alors je pensais pas. C'est quoi ton problème Stanley? Ah, mon problème c'est que tes parents ils ont jeté bébé et qu'ils ont élevé le placenta. Alors ça va te coûter très cher mon petit Stanley. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Robert et Stanley se connaissent depuis que 10 minutes, mais c'est déjà n'importe quoi. J'espère que Robert ne va pas tuer Stanley. Oh non, t'abuses vraiment là, Robert. Mon fils, quand il rentre du sport, il pue de ouf. Alors du coup, j'ai toujours un spray pour lui asperger sa vieille gueule de merde. Je ne t'aime pas, tu es laid, je ne t'ai pas désiré. Moche, moche, moche. 200$, vous imaginez? Pourquoi nous on n'a jamais des coups de bol comme ça? Vous voulez que je vous dise pourquoi? Parce qu'on n'a pas de talent? Exactement, on n'a pas de talent. Vous voyez, on n'est pas du côté artistique, on est du côté qui réfléchit. Ouais, on est trop malin pour avoir du talent. Et allô? J'arrive dans 5 minutes. Ou pas? T'as bien rangé la maison? Parce que je ne voudrais pas perdre un autre enfant! Allez-y les clones, nettoyez! Pourquoi tu fous jamais rien toi? Hein? Et en plus t'as même pas de nous. C'est quoi le rapport, gros crasseux, tu te l'as jamais les fesses? Quoi tu... J'entre fils. In English please? Non, j'ai pas envie. Alors comme ça tu parles anglais? Ouais ouais, j'ai quelques notions ouais. Tu peux même dire que je parle anglais couramment ouais. Mais montre-moi, vas-y. Attends, arrête, je suis pas là pour me vanter quoi. Bon ok, je te fais le démo mais c'est juste pour toi alors hein. Attention. Saviez-vous? Les cheveux sont petits mais très résistants. Le saviez-vous? Manger est utile pour rester en vie. Le saviez-vous? Je suis en train de me préparer un petit plat savoureux.
Le saviez-vous? Je viens de me couper avec un couteau. Le saviez-vous? Je suis en train de décéder à la suite de mes blessures. Le saviez-vous? Les fantômes n'existent pas. À la bonne heure. You have 10 cookies and someone asks for 2. How many do you have? 10. Okay, what if someone forcefully takes 2 cookies? Then what do you have? 10 and a dead body. Le savez-vous? L'eau c'est la vie et la vie c'est de l'eau. Le savez-vous? Les univers parallèles existent vraiment. Et toi là? Qui es-tu, imposteur? Tu possèdes le même faciès que moi. Je suis toi. Comment peux-tu être moi si je suis déjà moi? Non mais je suis moi, mais aussi toi. Mais je suis moi avant toi. Viens te battre. Hey. Yo. Et oh là, ça fait mal. Le savez-vous? Les univers parallèles, c'est grave pour les nulos. Madame Busseau, bonjour, je suis le papa de Timothée. Bonjour monsieur Muscadi, prenez place, je vous en prie. D'accord, merci. Alors comment ça se passe avec Timothée à la maison? Bah écoutez, ça va plutôt bien, hein. Il est calme, il est gentil, il est... D'accord, parce qu'en cours c'est une catastrophe, hein. C'est le pire élève que je n'ai jamais eu. Ah bon? J'ai encore été forcé de le renvoyer la semaine dernière. Oui, il m'a dit oui. D'accord, et il vous a dit pourquoi? Non, il m'a pas dit. Eh bah figurez-vous que je lui ai demandé de venir au tableau pour réciter sa poésie, et non seulement il ne s'est pas levé, mais en plus de ça, vous savez ce qu'il m'a répondu? Mm-hmm. Ferme ta moule et bouffe mon fiac, je sirote ton boule comme verre de Jack. Ce sont ses mots. Ah, oui. Vous savez que mon anus n'est pas une boisson alcoolisée, monsieur Muscadi. Oui, je m'en doute. Oui. Et puis écoutez, il faut qu'il arrête d'amener des armes à l'école, c'est plus possible là. Ah, hein. Oui, je sais. Je veux dire, quel enfant de 6 ans menace sa maîtresse avec une perceuse, hein. On fait des travaux à la maison, c'est pour ça. Il m'a forcé à twerker sur du Weshden devant toute la classe. C'est pas cool ça. Ah, et puis je suis désolé, monsieur Muscadi, mais physiquement, Timothée, il est effrayant. Oui, ça, je sais, oui. Ah, mais moi, dès qu'il met un pied en classe, oh, diarrhée foudroyante. Ah oui, à ce point-là. J'ai déjà fait 2 AVC à cause de lui. Ah oui, ça fait beaucoup. Oui, hein. Bah en même temps, 1m90 pour 91 kilos, ça aussi, ça fait beaucoup pour un enfant de CP, monsieur Muscadi, hein. C'est la soupe. C'est un enfant ou une Clio 2? Bah, vous me faites douter. Et puis vous savez qu'il a vendu des sachets de cocaïne à tous ses petits camarades à la cantine? Vous êtes sûr que c'était pas du sucre? Alors vous allez me faire le plaisir d'éduquer votre gosse, monsieur Muscadi. Mais toi, la vie de ma mère, tu parles trop mal, t'es une baiser. Oh, qu'est-ce qu'il fout là? Ton vieux cul là. Joyeux Noël, mon fils. Joyeux Noël, maman. Ça me touche beaucoup que tu viennes me voir cette année, mon poussin. Ouais, je suis désolé de pas être venu pendant 3 ans, mais je suis très content qu'on soit ensemble aujourd'hui. La famille, c'est tellement important. Oui, mais c'est pas plus important que les cadeaux. Et le Père Noël va bientôt passer. Comment ça? Pour distribuer les cadeaux. J'arrive pas à savoir si t'es sérieuse. Quoi? Maman, j'ai 32 ans, je sais que le Père Noël, il existe pas, t'as plus besoin de faire semblant, tu le sais, ça. C'est la dernière fois que tu dis une chose pareille, tu m'entends? Quoi? Le Père Noël existe. Le Père Noël n'existe pas, maman. Il existe. C'est un conte. N'insiste pas, je te dis qu'il existe. C'est une fable. D'accord? Alors tu m'expliques qui est venu me voir ces 3 dernières années quand j'étais seule? Je sais pas qui est venu le voir, maman, j'étais pas là, je pouvais pour pas me donner son gros ob. Hein? Chaque année, il sonne à ma porte pour m'offrir un cadeau que tu ne pourras jamais m'offrir. Me dis pas. Son zizi. Maman, le Père Noël qui vient de voir, est-ce qu'il a une cicatrice sur la joue et une calvitie? Oui. Est-ce qu'il lui manque une chico? Aussi. Est-ce que quand il parle, sa bouche, elle sent la basket de foot en salle? Personne n'est parfait. Maman, ton Père Noël, c'est le gardien. Ah, en parlant du loup, ouvre pas, s'il te plaît. Je vais ouvrir. Non, maman. C'est l'heure du zob de Noël. Non, c'est pas l'heure du zob de Noël. Et je vais me faire mougou, fiston. Je t'avais fait un collier de pâte. Oh, ben voilà une belle zigounette. Hey Robert! Oui, mon petit Steven. Je me demandais, pourquoi t'as commencé TikTok? Est-ce qu'il y a une raison? Je sais pas, un truc genre. L'argent. Ah, ok. Mais t'es sûr que c'est vraiment pas pour le plaisir ou un truc comme ça? Mais non, c'est vraiment que pour l'argent. Comme ça, après, je pourrais me payer des flûtes! Moi aussi, j'adore la musique! Gros, j'ai matché avec une meuf. Oh là 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 là. Vas-y, montre. C'est la meuf la plus fraîche que j'ai vue de toute ma vie. C'est bon pour toi? Montre. Mais... Chut. Observe. Ça. Ça. Ça, c'est mon gars, ça. Ça, c'est ton gars, ça. Ça, c'est mon gars, ça. Mais en vrai de vrai, ce qui est magnifique, c'est qu'on a que des points communs, frère. Que des points communs. Que des points communs, frère. Tous les trucs qu'elle aime, je les aime aussi. Genre quoi? Bah, Téma, descends sur son profil, tu vas voir, c'est incroyable. Alors, j'aime faire des photos. J'aime les jeux vidéo. J'aime l'ananas. J'aime faire pipi sur mes potes pendant qu'ils dorment. C'est pas une dinguerie? Frérot. Que des points communs, c'est fou, hein? Frérot. La femme de ma vie. Mon rêve, ça va? Pourquoi tu bois autant? J'ai hâte que tu t'endormes. Mais je vais pas dormir. Tu vas dormir, Alexandre. La vie de ma mère, je vais pas dormir. La vie de ta mère, tu vas dormir. Je suis une pute si je dors. C'est le destin, mon pote. Mon rêve. Pipi bien chaud, chacal. Jésus, viens-moi en aide. Miaou. Miaou, miaou, ciao. Nya, nya, nya. Miaou. Miaou. Miaou, miaou, nego. Jouons à un petit jeu avec plaisir. Explique-moi les règles. Tu dois traduire cette phrase en français. I kissed your girlfriend. C'est hyper facile ton truc. Attends, mais t'es sûr d'avoir compris le sens de la phrase là? Bah oui, t'as embrassé ma meuf. Oh putain le con. Halloween eccentricity number 1. A different hairstyle every day. Monday. Tuesday. Wednesday. Aujourd'hui, j'ai passé une journée vraiment difficile. Je me suis embrouillé avec mon meilleur pote parce que j'ai dessiné sur la culotte de sa sœur. Alors, je sais pas s'il me fait la gueule parce qu'elle l'a porté encore à ce moment-là ou parce qu'il y avait sa famille autour de nous, mais ça a rendu le reste de l'enterrement de sa grand-mère très difficile. Excuse-moi, excuse-moi. Tes parents, ils seraient pas, ils auraient pas... Ils auraient pas pris toutes les étoiles du ciel pour les mettre dans mes yeux, c'est ça? Non, je voulais te demander si tes parents, ils seraient pas éboueurs parce qu'ils ont lâché une grosse merde. Espèce d'enculé.
putain, c'est mathématique. Les ciseaux, ils coupent la feuille, elle recouvre la pierre, elle éclate les ciseaux. Qu'est-ce qui se passe si tu mets un putain de puits? Les ciseaux, ils tombent dedans, la pierre, elle tombe dedans. Donc statistiquement, t'as beaucoup plus de chances de gagner avec le puits. Qu'est-ce qui va se passer? On va tous les deux faire le puits, ça va devenir le jeu du puits. Puits, 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 puits. Oh, quelle surprise, t'as fait un puits aussi, fils de pute. On est encore à égalité, bravo. Mélissa? Non mais d'où tu fouilles mon téléphone? Tu fouilles pas mes affaires, wesh, c'est mes affaires ça, elle est folle elle, wesh. Et cette fille c'est qui? Non mais d'où tu fouilles mon lit? Je voulais faire passer un message en slam pour tous mes frères malades actuellement, touchés par le cours. Il vous faudra d'abord déverrouiller votre iPhone. Mais putain Siri, merde! Oh no, don't touch me there, this is my no-no square, no no, don't touch me there, this is my no-no square. What are you doing, you ready? Your no-no square, dog! Yeah! Ah! Demandez-moi tout ce que vous voulez, vous l'aurez. Alors je veux des lunettes de soleil. Cette paire de lunettes. Wow, mais vous êtes qui? Je suis Dieu. Oh, trop bien. Alors, que voulez-vous d'autre? Bah du coup, je vais prendre votre place. Quoi? Ah, merci. Mais vous êtes qui? Alors il y a 10 secondes, j'étais Francis, mais maintenant je suis Dieu. Quoi? Garde, emmenez-moi cet imposteur en enfer. J'ai eu tort, je m'excuse. J'ai eu tort, je m'excuse. J'ai eu tort, je m'excuse. Branche ta chambre, fils de pute. T'as pas oublié tes cahiers cette fois? Non, papa. T'as intérêt. Papa! Quoi? J'ai oublié mes chaussures. Qu'est-ce que tu fous avec les chaussons de ta mère? Ils sont d'où? Je ferai pas demi-tour, Jordan. Je vais pas y aller comme ça, papa. Ça va pas tes nouvelles chaussures. C'est bon, le pâté? Ouais, ça va, tiens. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bah, le pâté. Mais t'es sérieux, là? Bah quoi? Mais c'est un pâté pour chat, ton truc. Bah moi, j'aime bien. Mais t'es chelou, toi. Ça améliore le miel, moi, en plus. J'ai une tête à vouloir miauler, moi. Bah vas-y, essaye. Mais tu te fous de moi ou quoi, là? Mais non. Tu me dégoûtes. I hate this year. When will it die? Oh boy, I hope it's soon. I want to cry. Everything is bad. But I'm not mad. I'm just very, 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 very sad. I've had enough. Got reasons plenty. So say it with me. 2020. Hey Robert. Oui mon petit Steven. Mais t'en as pas marre de dire autant pour moi à tout bout de champ? Non Steven, je trouve ça plutôt marrant. Ah, autant pour moi. Tu te fous de la gueule de qui là Steven? Non mais je pensais que... Eh bah tu penses en silence, je te trouve de moins en moins agréable Robert. Mais est-ce que j'en ai quelque chose à foutre? Non, t'as dit un gros mot. Mais c'est toi le gros molard. Gros lard toi-même? Dis-moi Steven, t'as déjà tâté un gros calibre? Oh là là, mais ça devient vraiment n'importe quoi entre Robert et Steven. J'espère qu'ils ne vont pas s'entretuer. Oh non, Robert a encore tué Steven. Demandez-moi tout ce que vous voulez, vous l'aurez. Écoutez, je veux la paix dans le monde. Ouais, vous voulez pas autre chose? Pardon? Je sais pas, quelque chose de plus visuel? Non. Je sais, vous voulez sûrement un pinceau. Alors pas du tout. Je vois. Vous voulez sûrement un mug? Laissez tomber, moi qui pensais que Dieu pouvait m'aider. Ah non mais vous faites erreur. Ah moi je suis juste l'ange qui le remplace pendant ses vacances. Ah bah ça va, il revient quand du coup? Oh bah il devrait revenir dans 5-10 000 ans tout au plus. Bon, alors écoutez-moi bien, c'est un peu compliqué. On mange par la bouche et on chie par le cul. Alors peut-être que si on se fout de la bouffe dans le cul, on chira par la bouche. Cartman, c'est le truc le plus con que t'aies jamais dit. Les enfants, je vais vous annoncer une nouvelle, vous allez être verts. Demain, petit contrôle. Et qu'est-ce que tu fais, Steven? Bah vous avez dit que j'allais être vert, madame, alors je suis vert. Allez, bande de merde, je me suis fait rayer ma punto, ma femme, cette pute est partie avec mon meilleur pote, et j'ai pas envie de faire court à des petits branleurs comme vous. Interro surprise. Oh non! Vous inquiétez pas, c'est pas compliqué. Ah. Je rigole, c'est même pas un programme. Je vous baise, toi je te baise, toi je te baise. Oh la vache, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Salut! Tu veux un smoothie? Ça a été avec la meuf hier? Oh bah tu sais, ça a été comme d'habitude. Salut. Salut. Tu vas bien? Sois la mère de mes enfants. Non. Oui, je vais bien. Prendras-tu du millefeuille pour le dessert? Voilà. C'est quand même pas compliqué. Rêve. Comment Naruto a-t-il réussi à grimper aussi haut dans cet arbre? C'est incroyable. Parce que je suis Spider-Man, fils de pute. Hey Steven, j'ai trouvé une technique pour pouvoir percer plus vite. Ah bon? Mais c'est quoi cette fameuse technique, Robert? Eh bien, il suffit tout simplement de dire que je vais montrer ma tête aux 10 000 abonnés. Mais Robert, toi t'as déjà montré ta tête! Ah, autant pour moi. Mais non, mais t'es vraiment con, Robert. Je te conseille de me parler meilleur, sinon je vais faire un malheur. Ah, autant pour moi. Et là, c'est le drame. On va s'aimer, à toucher le ciel, se séparer. À brûler nos ailes. Se retrouver.
comme Daisy Rondel, on va s'aimer tellement tu es belle. T'es pas fini. Les clés de la maison. Putain. On va rêver à d'autres saisons. On va quitter. Tu veux pas me laisser finir en fait. Non, c'est prison. On va s'aimer sur une étoile ou sur un oreiller. Au fond d'un train ou dans un vieux grenier. Non, nier. Tiens la note, Sylvie. Tiens la note. Nier. Faut que tu prennes des cours. Tu te rappelles de ce qu'on s'est dit? On entre, on coupe les alarmes. On fait ce qu'on a à faire et on se barre, ok? On entre, on coupe les alarmes. Et on prend tous les billets. Qu'est-ce qu'il fout là? Dis quoi, qu'est-ce qu'il fout là? J'en sais rien, moi, qu'est-ce qu'il fout là? Mais comment ça, t'en sais rien? C'est ton cousin, il est venu avec toi, non? Mais à chaque fois, il arrive à me suivre sans que je le remarque, il est trop discret, je sais pas comment il fait. Et il vient pas avec tout dans la banque, c'est mort. On va tuer des gens dans la banque? Non, Christopher, on va pas tuer des gens dans la banque. Oh putain, il va tout niquer! Mais non, il va pas tout niquer. Christopher, tu peux pas venir avec nous dans la banque, c'est trop dangereux. Il y a des cailloux? Oui, voilà, exactement, il y a des cailloux dans la banque, donc du coup, tu vas rester ici pour garder la voiture. Non, appuie pas trop. Christopher, il va garder la voiture. Voilà, exactement. Christopher va garder la voiture. On vérifie une dernière fois avant d'y aller. Conan Flash. Ouais, lacrymo. Ouais, masque à gaz. Ouais. J'ai même pas senti mon pété. Et ça, c'est une pièce dans les. Quoi, il a ton flingue? Je sais pas, je te dis, il est trop discret. J'ai même pas vu quand tu me l'as pris. Putain. On va pas chercher les billes. Hey chérie, ça va? C'est à qui ce rouge à lèvres? Ma sœur. Mauvaise réponse. T'as pas de sœur. Guillaume a seulement 21 ans et souffre de la maladie du bonhomme rouge. Comme vous pouvez voir sur ces images, il grille totalement les passages piétons. Vous savez, c'est vraiment pas facile dans la vie de tous les jours. En effet, je me fais plusieurs fois renverser par des voitures. L'autre jour, je marchais vers mon travail lorsque tout d'un coup, une Clio C2 a tenté de me renverser. Et pourtant, la vie continue pour Guillaume, qui vient d'avoir son brevet des collèges. Demandez-moi ce que vous voulez, vous l'aurez. Raboule une enceinte, frérot. Cette enceinte? Oh, wow, trop bien! Nouvelle caisse, nouvelle liasse, Rolls-Royce. Ok, je teste le son, t'as vu? T'es un magicien, mon pote. Non, je suis Dieu. Oh, the bee. Bon, que voulez-vous d'autre? Je veux voir les meufs fraîches. Wow, je me souvenais pas d'avoir créé un chacal comme toi. Eh, parle meilleur, tu te prends pour qui, là? Oh, Dieu. Ah ouais? Eh, vas-y, tu m'as saoulé. Hey, Kevin. Ouais, quoi? Petite merde. Hé, hey, toi là, toi, continue à gratter la nuit là, à ma porte. Continue, tu vas finir en steak haché. Hé Robert. Oui Steven. Tu te souviens, t'avais fait un tutoriel pour expliquer comment percer sur TikTok? Eh oui, je me souviens Steven. Comme si c'était hier. Oui mais alors, pourquoi toi t'as pas percé? Oh oh, bonne question ça Steven. Mais c'est tout simple, je laisse les débutants s'amuser. Ouais, enfin c'est surtout parce que tu fais de la grosse merde. Pardon, j'ai dû mal entendre Steven. Non, je disais c'est sûrement parce que tu fais de la grosse merde. Ah, autant pour moi. Eh oui Steven, t'as de la chance, Robert est d'un naturel amical. On ne le changera jamais. C'est vrai qu'il est sympa Robert. Aidez-moi s'il vous plaît, ça fait 3 jours que je dors pas à cause d'une question là. Si une femme accouche de jumeaux pendant le changement d'heure, que le premier naît à 2h59 et que le deuxième naît à 2h01, c'est lequel l'aîné? C'est lequel l'aîné, s'il vous plaît, répondez-moi! 3 fois 1, 8, 2 fois 4, 9. Bon, Steven, t'arrêtes maintenant, tu écoutes, tu vas rater ta vie si t'écoutes pas à l'école, tu sais ça? Bah, au moins, vous vous sentirez moins seul! J'aurais raté ma vie comme vous, madame! Brr. Il reste 2 secondes pour la victoire. Il tire. Il refait ses lacets. Il mange un repas équilibré. Il va au cinéma. Il s'embrouille pour une clope. Il se réconcilie. Et il marche. Oui. Ça va toi avec ton copain? Eh bah écoute, ça se passe nickel. Et alors, c'est quoi que tu me présentes? Ah bah justement, le voilà qui arrive. Ah. Je suis un accordéon qui chevauche une guitare. Ah oui, c'est un sportif. En fait, patron, vous avez réfléchi pour mon augmentation? Oui, Jérôme. Et vous êtes viré? Mais non. Si, barrez-vous, Jérôme. Ok, je comprends. Sur ce coup-là, Jérôme, t'as merdé! Comment tu vas nourrir tes gosses? Ça faisait 12 ans que t'étais dans cette boîte. Quel désastre! Dis, mon fils. Oui, père. À table, qu'est-ce que tu m'as préparé devant? Des pâtes crues. Elles sont délicieuses. Qu'est-ce que tu as mis dedans? De la morora. Et voilà, t'avais qu'à pas venir au monde. Ah, c'est bien mieux quand tu fermes ta gueule. It is the sleepy time. It is the time for the sleep. You take head, you put on pillow and then sleep. If you cannot sleep, may I suggest the warm milk, you can sleep like baby.
No, no, don't touch me there, is what I told my uncle, but he didn't seem to care. It's my secret little spot, and I don't wanna share. No, no, don't touch me there. So tell that creepy guy who always hangs around your school that all they need to know is this one simple rule. It's no, no, don't touch me there. Keep your gross old hands on my no-no square. Bon Robert, tu veux quoi? Je veux bien une cuisse. C'est du poisson Robert, y'a pas de cuisse. Eh bien donne-moi une aile alors. Robert, y'a pas d'aile ni de cuisse, c'est du poisson Robert. Ça va, t'énerve pas, c'est pas de ma faute si tu sais pas cuisiner. Hein. Mais Robert, je peux pas te cuisiner un poisson, un poulet. Oh là là, tout le temps à s'énerver celui-là. Mais Robert, je vais t'en mettre une. Eh, relax, peace and love. Je te pisse dessus moi Robert. Tu pourrais dire uriner, ça serait bien déjà. Hein. Eh bien j'ai tout vu sur le visage Robert, tu comprends? Ah là, oui, d'accord. Non mais c'était pour rire, hein, Steven. Non, j'aime pas l'humour. Eh ben, vous lui dites qu'elle me rappelle. Bonjour, installez-vous. Bonjour, madame, s'il vous plaît. Bonjour, madame, désolé. On n'a pas élevé les cochons ensemble, merci. D'accord, madame. Alors, comment il va, votre mari? Oh, bah, c'est de pire en pire. C'est là, vous voyez? Ah, bah oui, je vois, là. Et puis, ça a empiré du jour au lendemain. Vraiment, je comprends pas. En effet, c'est impressionnant. Et très fatigant. Écoutez, je pense qu'il va falloir qu'on parte sur un traitement à base de petites pilules qu'il faudra mettre tous les soirs. Oh, ça chouette! Désolé, docteur, je sors deux minutes. D'accord, pas de souci, allez-y. Allez-y, madame, s'il vous plaît, c'est fou, un minimum de respect, nom de Dieu! Casse-toi, ce... Je fais semblant. Quoi? Je fais semblant, en vrai, ça va très bien. Sérieux, pourquoi? Non, mais attends, t'as vu comment elle est chiante? Hey, j'avoue, elle est un peu lourde. Et encore, toi, tu la vois qu'une fois par mois, moi, tous les jours, elle est là. Et maintenant, elle me fout la paix. Bah, franchement, bonne technique. Tu penses qu'à moyen, tu me prescris de la bière et un massage des pieds? Sérieux? Tu fais genre, c'est pour atténuer les symptômes. Alors, docteur, vous me parliez d'un traitement? Ah oui, effectivement, je pense que le traitement le plus efficace dans ce cas de figure serait de lui acheter des bières et de lui masser les pieds 3 fois par jour. Ah bon? Matin, midi et soir. C'est docteur, il a dit. Bon, bah d'accord, merci, docteur. Je vous en prie, bonne journée. Je vous en prie, madame, c'est quand même fou d'être irrespectueux à ce point-là. Elle est relou. Je t'avais dit. Bonjour. Bonjour, monsieur. Je suis le génie de la lampe 2.0. Ah, c'est vous? Attends, j'ai payé 200 balles cette lampe pour avoir la réincarnation des frères Bogdanov. Alors, ouais. Mollo, hein. J'ai 3 vœux, c'est ça? Justement, j'allais en venir. Ouais, j'ai su la période d'essai. Donc, 1 vœu. Tu te fous de ma gueule? Non, pas spécialement. Bon, ok, 1 seul vœu. J'aimerais rencontrer pour de vrai ma copine que j'ai connue sur Internet. Ok, ouais. Alors, c'est aussi la formule magique de la période d'essai, hein. Ouais, bien sûr, ouais. Bah, j'ai bien entendu ce que j'ai entendu. Tonton, alors oui, je suis occupé pour le moment. Sors, s'il te plaît. Alors, elle est où? Non, mais elle est morte. Quoi? Bon, allez, moi je vais y aller, hein. Tonton? Moi, je joue au foot. On est mardi, genre du Myron, t'as pas foot. Mais si, l'entraînement, il est décalé. Depuis quand t'as foot à 20h, toi? Allez, laisse-moi sortir. Tu vas nulle part. Tu restes à la maison. Non, j'avoue, je vais en boîte avec mes potes. En boîte? C'est une blague? Je peux venir avec vous? Ça, c'est moi et mon chat. Un jour en Chine. Ça, c'est moi et mon chat. 2 jours. Oh, les fils de pute! Dis mon fils! Oui, père! J'ai un petit cadeau pour toi! Une PlayStation 4? Oui! Un ordinateur portable? Et ce n'est pas fini! Le portefeuille du voisin? Précisément! Mais d'où vient tout ça? De chez le voisin! Maintenant, tu permets, je dois passer un petit appel. Allons, la police! On a retrouvé l'homme que vous cherchez! Vous pouvez intervenir! Ouais, c'est la suite! Pourquoi tu fais ça? Parce qu'en prison, tu seras plus là pour me faire chier! Ah bah, c'est sympa! On dit merci papa quand on est poli! Enfant gâté! Tu préfères parler avec une voix très 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 aiguë, comme si t'avais pris de l'hélium, ou parler anglais couramment? Bah, avoir une voix super aiguë, comme si j'avais pris de l'hélium! Parce que... Oh! Ça marche! Voici venu le temps des pipes et des chants, des sucettes blanches, et tous les jours le printemps. Ce petit lait visqueux qui colle aux cheveux, qui accroche aux dents et qui soulage la queue. Elle était cool cette chanson! Enfin, aujourd'hui, nous allons faire un cours d'ASMR. C'est nouveau. C'est l'éducation nationale qui nous le demande. Alors on va sortir les cahiers. Écoutez ce bruit de cahier, comme c'est beau. Et les stylos. Oh, c'est beau. Hein. Steven, je ne peux pas crier. Sors ton cahier, Steven, s'il te plaît. Ah, vous avez vraiment des délires chelous, madame, hein. Il fait chaud, il fait froid. Les mecs, c'est tous les mêmes. Célibataire, putain. Vous allez fermer vos putains de gueule. J'ai tué 2 mecs ce matin! Non, c'est pas vrai ça. J'ai des calages! C'est pour la rime, je connais. J'ai caché la drogue dans mes couilles! Il plaisante, dis donc. Coup de couteau dans les côtes! Non, c'est légitime défense. Ça
été ta soirée? Oui, c'était super. Qu'est-ce que t'as pris? Tu as pris de l'alcool? De la bière? Non. De la vodka? Du whisky? Tu as fumé? Tu as pris de la drogue? Cocaïne? Héro? Extra? Tu te crois dans Projet X? Tu te rends des trucs durs? Tu es chef d'un cartel de drogue? J'appelle la police. Allô la police, mon fils est un drogué. Arrête pas de téléphoner depuis qu'on a commencé. J'ai le droit de faire une pause. Une pause de quoi? T'as rien foutu, connard. Kyle, combien de fois va falloir que je t'explique? Moi, je suis le négociateur. Je négocie les prix avec les clients que je trouve. Tout ce que tu fais, c'est leur parler de tes couilles. Ça fonctionne, il me semble. Je viens de négocier 5 dollars de plus. Hey Robert. Oui, mon petit Mike. J'ai une question pour toi, Robert. Je t'écoute, mon petit Mikey. Eh bien, je me demandais, comment fais-tu pour avoir autant d'argent? Eh bien, Mike, tu veux vraiment savoir mon secret? Eh oui, je le veux, mon neveu. Eh bien, je me balade toujours avec un gros calibre. Ah, tu veux sûrement parler de ta grosse... Mais non, Mikey. J'ai vraiment un revolver dans mon sac. Aïe, la boulette. Oh là là, Mikey. Sur ce coup-là, t'as vraiment mal joué. Et ça te coûtera la vie. Maman, j'ai retrouvé ce morceau de steak dans mon lit. Maman! Quoi? J'ai retrouvé ce morceau de steak dans mon lit. Mais c'est le marchand de steak qui est passé cette nuit. Le marchand de steak? Oui, regarde voir sur ta jambe droite, il laisse toujours un petit message. Quoi? Bon appétit, Olivier. Le marchand de steak. You're fired! You can't fire me, I quit! You can't quit, I quit! You can't quit, you're a frog! You can't frog me, you're my wife! I'm not your wife, you're my wife! Oh, hey, honey, how was work? Pretty good, but I quit my job! You can't quit your job, you're fired! Ah! Your dog's friendly? Yeah, my dog's friendly. Hi! I thought you said your dog was friendly. It is, that's not my dog. Vous savez pourquoi on vous arrête, monsieur? Non. Moi non plus. C'est super, alors! Génial, top, ça! C'était aujourd'hui, monsieur Boulard, que les Françaises et les Français se désintéressent de la politique, et cela se ressent dans le taux d'abstention aux élections. Merci, monsieur Nadeau. Monsieur Boulard, une réponse? Écoutez, non, je ne pense pas que les Français se désintéressent de la politique. Je pense simplement que dans la conjoncture actuelle, ils en ont marre d'entendre des inepties venant d'hommes politiques comme vous, à l'intégrité compromise et aux connaissances, permettez-moi de le dire, limitées. Voilà, le mot est dit. Merci, monsieur Boulard. Monsieur Nadeau. C'est ta mère la pute à limiter, ouais. Et... Oh, mais du haut! Tous les jours, elle se fait conjoncturer par Vlalebug. Arrête, ouais. Non, mais frère, depuis tout à l'heure, il parle mal devant tout le monde et moi, je dois rien dire. Mais d'où je parle mal? Non, il a raison, tu parles mal. Non mais écoutez, je dis simplement une vérité qui peut-être vous dérange, mais que les Français ont besoin d'entendre. D'accord, mais les Français ont aussi besoin d'entendre. Pas de cas. Que ta mère c'est une pute. Vous ne me parlez pas sur ce ton. Sinon tu vas faire quoi? Hein? Dis-moi tu vas faire. Non mais qu'est-ce que tu vas faire? Écoutez, c'est scandaleux. Je suis désolé, je quitte le plateau. Excusez-moi, je me suis emporté. C'est vrai que je me suis emporté. C'est scandaleux. Et vous savez ce qui est également scandaleux, Monsieur Boulard? Non? C'est à quel point ta mère c'est une pute. Oh mon dieu. Ah, c'était sûr. Maman, c'est quoi qu'il a eu, monsieur, entre les jambes dans mon lit de SVT? Bah c'est sa bite. Non Théo, pas de gros mots devant ta soeur s'il te plaît. C'est un robinet pour faire pipi. Et pas que, hein. Parce qu'il y a aussi le sperme. Et pourquoi moi j'en ai pas? Parce que tu es une fille. Donc tu es une fontaine pour faire pipi. Et toi aussi? Oui. Parce que je suis aussi une fille. Nous, on est des femmes fontaines. Oui, en quelque sorte, on est des femmes fontaines. Déjà à son âge. Bah lui donc. Et papa, lui, il a un robinet? Exactement, ma fille. Bah la dernière fois, il devait boucher son robinet. Parce que j'ai vu la voisine souffler dedans. Comment ça? Oh bah celui de tonton aussi, il est souvent bouché. Si mon fils, oui, père. Je voulais t'annoncer quelque chose. Je t'écoute. Voilà, en réalité, j'ai encore rien dit. J'ai paniqué. Ouais. Donc je te disais, bordel, c'est pas incroyable ça. Je suis désolé, c'est l'émotion. Tu me laisses pas. Bordel. C'était pourquoi cette fois? Je viens de remarquer à quel point t'es moche. Tu m'as pris au dépourvu. Je suis désolé. Ok, répète après moi. Je ne rage pas. Je ne rage pas. Mais ta mère, putain! Eh bien alors, petite, on ne dit pas bonjour au Père Noël? Mais t'es pas le Père Noël, t'es un clochard. Clic, clic, ta mère dans un clic, clac. Je mène en pique-nique, mamie c'est un pique-nique. Je veux me passer le sol, s'il te plaît. Non, c'est mort, tu te démerdes. Mais donne-moi le sol, sale connasse. Oh! Qui c'est qui vous apprend à parler avec des gros mots comme ça, là, bande de fils de pute? C'est la maîtresse, c'est ça? C'est cette grosse salope qui vous apprend à parler comme des cons? Et pas celui le sel, il t'a demandé le sel, grosse pute. Jean-Jacques. Oui. Ah bah ça, c'est un prénom de merde, ça. Ah ça, en plus, t'es moche, t'as rien pour toi, tiens, fuck. Tu sais à quoi tu ressembles, Jean-Jacques? Non. À la marque Rivaldi. À Jérôme Roten. Une gomme de Turc au chiffre 12. Au film Les Bronzés, le 3. Je suis comme toi. C'est vrai, je vois. Tu es comme moi. Oui,
je le crois, on se ressemble. Par contre, on est toujours moche. Regarde, j'ai fait un dessin. Mais c'est moche, normal, c'est toi. Galaxy Pizza, bonjour. Bonjour, ce serait pour une commande. J'ai pas très envie de vous faire agrailler, monsieur. Allez, soyez chic. Non, vraiment, ta gueule. Dans ce cas, bonne journée. Merci. Léonard n'arrive jamais à avoir ce qu'il veut. Ce soir, il mangera des pâtes. Et c'est bien fait pour sa gueule. La photographie a été prise par Brian Willis de Bialy, Colorado, qu'il a vendu à 31 journaux pour la coquette somme de 100 000 dollars. Il a vendu ça 100 000 dollars ? C'est assez pour s'acheter des esclaves. Gros ? Ouais, qu'est-ce qu'il y a ? J'étais en train de me demander, t'as déjà voulu faire l'amour à 3 ? Bah oui, bien sûr, gros. Trop bien ! 1 ! Attends, qu'est-ce que tu fais, gros ? 2 ! Mais non, mais gros, c'est mal compris ! 3 ! Si tu ne veux pas attraper toutes ces méchantes MST, oh, pour ne pas choper la ch'touille, transforme tes couilles en ratatouille, ouais. Alors, mon petit bonhomme, tu crois que tu me perds, moi ? Tu crois que j'ai une tête de gnoll ou quoi ? Tu dis rien ! Étrange ! Et pourtant, ce n'est pas ce que font tes camarades jusque-là. Les preuves sont juste devant tes yeux et tu dis rien. Super, bel esprit, tu es fort ? Très fort. Il a quoi, ton fils ? Eh ben, il a encore trop regardé Toy Story. Je t'aurai un jour, putain de merde ! This. I do. She said yes! Man and wife. My little macaron, baby! Spider-Man! Spider-Man! Does whatever a spider can. Can I walk? No, I can't! Ma'am, give me back the child! Give me back the child! Don't do it! Don't do it! I'm alive! Oh, they're fucking dead! I dare you, this is my dad. I don't understand how your dad could be so scary that both of us are gonna be scared of him. Allez, les gars, on se réveille, il est midi. Pouah, on dort trop mal dans cette tente. En plus, j'ai fait un rêve bizarre. T'as rêvé de quoi ? Que tu me caressais le chibre. Ah ouais, mais il est bizarre ton pote. Alors, j'aurais voulu être de ton avis, mais j'ai aussi rêvé que tu me caressais le chibre. Vous êtes sérieux, les gars ? Vas-y, même quand vous refusez votre choix, hein. Je suis pas gay, hein. Ah. Ok, allez-y. En quoi est-ce que je suis gay ? Ok. 1, tu dors en mood beat. 2, tu écris OK par message. 3, tu fais des TikTok. 4, enlève ta main de ma cuisse. Ah ouais, non mais vos vieux stéréotypes, là. Moi, au moins, je fais pas des rêves bizarres. Ok, vas-y, t'as rêvé de quoi cette nuit ? J'ai rêvé que je faisais du ski de fond. Rien de gay. Ok, je dois pas ici cette nuit. Ouais, papa ? Oui, fiston, tu rentres quand ? Genre dans 5 minutes, pourquoi ? J'ai reçu ton bulletin. Profite des 5 dernières minutes de ta vie. J'ai quitté mon pays, tu revois à mes amis. Hey, what is that ? Oh, that's a giant flying whale. Oh. A person who that's really dumb. It's not just dumb. Has nothing to really think about fucking dumb. Thoughts. Are planes okay? Fuck no. So. Hey kid. What do you We're want? We're here. We're here to save you. Calm what down. What do you fucking mean save me? I am perfectly. Get the fuck away from me. Put the fucking guns down or I'm finna pull the grenade. Alright, drop your guns. Oh, I just pulled the grenade. Oh, you better stay away. Who the fuck threw that plastic? I will stab you. Skis, save the turtle. Praise Allah. Eh hey madame, je vous ai acheté un cadeau pour Noël, tenez. Oh, qu'il est galant ce Steven. Merci Steven, c'est quoi alors ? C'est quoi ? L'éducation pour les nuls. D'accord. D'accord Steven, merci beaucoup, ça me touche. L'éducation pour les nuls. Merci Steven. Je te remercie. Wait, it's all Earth ? Yeah. You're an astronaut, Gary. How do you not know this? You've been training in school for this for 20 years, you fucking i- Écoute, mon ami, j'avais quelque chose à te dire. Je t'écoute, dis-moi tout. Eh bien, il se trouve que... Excuse-moi, mon ami, j'ai été interrompu. Ouais, du coup, je t'écoute. Ouais. Du coup, je voulais te dire que... Ça commence à un peu me saouler, tout ça. Viens-en, on fait. Du coup, je vous... Je viens de trouver cette télécommande par terre, tu sais à quoi elle sert ? J'en sais rien, trou de cul, t'as qu'à appuyer dessus. Bon, ok.
Oh non! Ce gros bêta de Simon vient de détruire la race humaine! Quel désastre! Hey! I need you to listen to me carefully. There... Sorry, what? There's a man outside. Oh! I haven't finished. Oh god, it gets worse! There's a man outside who's just been staring at our house for 6 hours! Yes, that is a very strange thing to do. Take a look for yourself. Oh, for God's sake. What? Well, that's my dad. Tell him to go away. Well, you can tell him yourself. Hi, Dad. How are you? How's Mom? Still dead? Great. Do you need money? He'll be back in a week. Scuffed up Power Rangers. I have the yellow baby because I like to piss my pants. And I have the red baby because I have the power of salsa and spicy on my side. And I have the blue baby because I have clinical depression. Hey Robert. Oui mon petit Steven. Dis-moi, t'en as pas marre que tout le monde te dise tout le temps autant pour moi? Oui c'est vrai que ça dure un petit peu. Bah t'as l'occasion de leur dire, dis-leur. Ok mais ça y c'est un petit peu violent. Oh c'est pas grave. Ça fait des semaines que j'ai rien fait. Je m'en bats les couilles ton avis. Hey, hey. T'es mal à la taille de la bite. Hey, hey. Tu veux savoir où j'habite? Hey, hey. Je vois des autant pour moi. En veux-tu? En voilà, y'en a partout. Je suis tout rouge, je vois tout flou. Désolé si j'ai pas rigolé. C'est juste que c'était éclaté. Ah. Oula. T'es un peu sur les nerfs, Robert. Every night when I'm laying in bed, I can't stop thinking of that tasty lead. Pop up in a tin. Spread it on my bread. My favorite flavor is semi-gloss red. Oh, not again, I just awoke on the floor. I thought it was October, but now I'm not sure. I might have brain damage, but it doesn't matter anymore. Cause I pissed myself and now I'm mentally four. I'm feeling fine, not feeling unwell. Cause you're never lonely with one brain cell. Je peux pas croire que Robert soit parti. Ouais, moi non plus, je peux pas le croire. Robert? Robert, on te voit même avec les mains. Ah, autant pour moi. Mais t'étais pas parti, Robert. Si. J'étais parti, mais je suis revenu. Mais Robert, t'es parti 10 minutes grand maximum. 10 minutes? Oh non, Steven, je suis parti 10 ans. 10 ans? 10 ans. 10 ans? 10 ans. Bon, maintenant t'arrêtes de te foutre de ma gueule, Robert. Ok, je suis allé chercher du pain. Il y a même plus de pain, Robert. Mais j'avais faim, Steven. J'avais faim comme la fin de cet épisode. Non, laisse tomber, c'était une blague. Oui, bonjour. Bonjour. Je peux vous chanter une petite chanson de Noël? Oui, bien sûr, allez-y. Papa Noël, quand tu descendras du ciel, je suis pas ton poteau, dépêche, donne-moi tous mes cadeaux. Pas de cookies ni de lait pour toi, fais pas le fou, allez reste toi. Je ne suis pas sage, me demande pas pourquoi, fais péter le fruit, je donnerai pas de pourboire. Je prends la mère Noël et je lui fais des bisous. Si j'ai pas ma play, c'est coup de boule comme un ciseau. Allô la police? Tu aimes bien le jambon? Tu n'aimes pas cette grosse classe de Peppa Pig? Bien goûte le jambon Peppa Pig! Fais-toi plaisir en mangeant toute la famille de Peppa Pig! En famille! Le jambon Peppa Pig, c'est pas pour les Peppa putes!